Il a renoncé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maître? Si le panda est parti, qui va devenir le dragon guerrier? Tout ce qu'on peut faire, c'est reprendre l'entraînement et espérer qu'en temps et lieu, le vrai dragon guerrier se révélera. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah! Salut! Bonjour, maître. Je faisais mes réchauffements. T'es coincé? Coincé? Non, quoi? Coincé? Non, je dirais plutôt... Ouais, je suis coincé. Aide-le. Je rêve. Peut-être à trois? Ouais. Ah. Merci beaucoup. Inutile d'en parler. Non, non, je te jure, j'apprécie que... Jamais. Tu croyais vraiment que t'apprendrais à faire le grand écart en une nuit? Ça prend des années pour développer sa flexibilité. Et encore plus pour l'appliquer au combat. Pose ça par terre. Les seuls souvenirs qu'on collectionne, ce sont des mains en sang et des os brisés. Ouais. Excellent. Si on commençait... Est-ce que tu es prêt? Ça fait longtemps. Oh oh oh. Je suis désolée, camarade, je croyais que tu avais dit que tu étais prêt. C'était super écœurant. On recommence. Je t'ai épargné jusqu'ici, panda, mais c'est fini. Ton prochain adversaire, ce sera moi. Ok, allons-y. Un pas, en avant. Pour espérer vaincre, il faut savoir trouver la faiblesse de ton adversaire et lui en faire payer le prix. Oui. Te saisir de sa force et l'utiliser contre lui jusqu'à ce qu'on fera, il tombe ou renonce. Un vrai guerrier ne renonce jamais. Ne vous en faites pas, maître. Je ne renoncerai jamais. Non, non. S'il est intelligent, il ne remontera pas ses marches. Mais il va les remonter. Il ne renoncera jamais, pas vrai? Il ne renoncera pas à rebondir, ça je peux vous le dire. Oh.